Mini Mario toy, hurry, bite. Bananas. Mini Mario toy, it walks, it talks, it says, each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new Mini Mario toy. Hurry, before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all, buy them all, buy them all. Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Switch, on est de retour en stream, on est de retour sur... Ah bah non, on n'est pas de retour puisqu'on commence Mario vs Donkey Kong. Ah, un petit jeu mignon pour changer. Ouais, je suis pas sûr, je suis mignon, oui. Je pense qu'on va en chier quand même, hein. Pas se le cacher. Classique. Dans deux minutes, je vais pleurer, je vais faire non, détendu, détendu. Je sais pas si Mario, si le jeu Donkey Kong il est disponible sur le online. Attends, je regarde. Oh, salut Timio, comment tu vas? Alors, sauver Donkey Kong, non, le but c'est de lui taper sur la gueule. Mais si tu veux discuter, il n'y a pas de problème, ce Timio. Ok, ça c'est la suite. Bah écoute. Ah, je me suis fait eu. J'arrive même pas à passer le premier niveau sans mourir. On va faire une parenthèse tout de suite, ce Timio là. J'ai à peine commencé, on va déjà faire une parenthèse. Bon, j'ai fini le premier niveau, nickel. Je voulais aller voir sur le... Voilà, Game Boy.
Ah bah oui, quitter du coup. Je te remercie, ce team. Tu mets de la bonne humeur dans ma journée parce que ce matin c'était déjà galère. Donc là j'ai les Zelda. J'ai des Zelda. J'ai Gargoyle Quest. Encore du Zelda. Je vais les faire. Hein. Tous ces Zelda, je vais les faire, mais je les fais dans l'ordre. Non, il n'y est pas. Il y avait Donkey Kong. J'aimerais trop qu'il rajoute sur Game Boy. Il était en noir et blanc, il n'était pas en couleur. C'était du Game Boy classique. Il y avait le jeu Donkey Kong qu'ils avaient refait, qui reprenait le jeu de base et qui allait bien plus loin, qui était très stylé. S'il sort, je vous le fais en stream. Obligé. Obligé. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je sais pas ce que c'est les niveaux sur le côté. Peut-être si on débloque toutes les tous les cadeaux ou un truc comme ça. Ouais, y a pas de souci. Tu attends, Satimo, tu le stream quand Unity? Ce matin ou cet après-midi? D'accord. Ah non, tu vas te faire les tutos là. Oui, d'accord. Non, c'est moi qui comprends pas bien ce matin, ce team. Faut pas s'inquiéter. T'inquiète. On va sortir là. Bon courage, Zotim. Et merci pour ton leurre. Je pense que le niveau Mario, ça doit être si je libère tous les... Ben, je les libère tous, forcément. Ah, là-bas. Wow. La maîtrise du personnage, elle est un peu compliquée pour l'instant. Hein.
Ouais, ça va, je suis large. Oui, je me suis juste amusé à me débarrasser des mobs. J'ai même pas vu que l'échelle montait jusqu'en haut à côté. J'ai juste de bon rendre compte. La maîtrise du personnage commence à venir. Ah, enfoiré. Ah, j'arrive pas. J'ai récupéré 3 vies normalement au passage. Je suppose qu'il y en avait bien plus dans le coffre. Non mais de toute façon, oui, d'accord. Ah
Il faut récupérer la clé là. Ah mais attends, il y a un bouton là. Je croyais qu'il fallait que je retourne à l'autre de l'autre côté. J'ai eu peur. On va y arriver. Hein. Je suis en train de me demander combien il y a de monde dans le jeu. Alors, 2 minutes. Oh, c'est quoi cette brique? Peut-être que je me pose pour éviter de passer tout le temps du jeu alors que j'écris un message. Ah oui, j'avais déjà perdu 40 secondes. Il fait pleuvoir des briques. Salut Nash, comment tu vas? Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bah écoute, ce matin ça allait pas terrible. Ce Timio est passé me faire rire 2 minutes, ça va un peu mieux. Le jeu me fait bien marrer, ça va encore un peu mieux. T'es là, ça va encore un peu mieux. T'as tout doucement, ça devrait aller mieux.
Il faut que je regarde. Salut Torta, comment il va? Donc apparemment, il y aurait 8 mondes. Mais après, il y aurait une version améliorée des mondes. Alors il y a 8 mondes, un gros boss, 3 mondes de plus. Et ensuite il y a des niveaux experts. Ouais, d'accord. Donc en gros il y a les niveaux, les 8 mondes de base. Et ensuite, il y aurait encore 8 mondes. Voilà. Cet après-midi, ça sera encore Palia. S'il y en a qui veulent rejoindre, c'est totalement possible. Bien raté.
suis sûr que j'ai capable de finir le monde 5 ce matin. Au moins le monde 4. D'en faire là. On va pas dire la moitié parce que les niveaux vont devenir un peu plus grands, un peu plus compliqués à chaque fois. Donc. Pour moi, la moitié, c'est quand on a fait 5 mondes sur les 8. Ah, je me suis tellement bien raté. C'était magnifique. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous racontez de beau, les gars? C'est pas non plus ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Ah, ça s'est bien passé, Nash. Parce que moi, le jeu, je l'ai réinstallé pour jouer avec vous, et puis... Je pense que le jeu prévoyait qu'on tombe sur la gauche après les pics. Ouais, je sais bien, Nash, hein, mais je l'ai réinstallé et... Je l'ai pas retouché, quoi. Oui, je sais, non, je t'inquiète. Mais j'ai acheté le DLC New York, je l'ai même pas commencé. Ça, c'est le problème, Nash. Quand c'est sympa, c'est souvent trop.
Wow. Je me suis fait fouetter par la queue de l'hippopotame, vraiment. Ah, est-ce que je vais le réussir cette fois? Ah oui, 5 vies de plus quand on ouvre le coffre. Pas mal. Y a un mode de joueur. Intéressant. Bon, alors qu'à toi, Anache, merci d'être passé. Le bâtard. Je dois avouer que je m'attendais pas à ce qu'il grimpe. Tiens, j'ai. Non, si c'est pas accroché à la corde. Ah, je pensais qu'il s'accrocherait.
Ah putain! Le jeu est à la fois pas précis, des fois tu peux être sur le bord d'un bloc, mais vraiment un poil de cul, et des fois t'es dans le vide. Voilà, et puis à côté de ça, il y a des moments où. Où tu passes entre deux trucs alors qu'il y a trois fois pas la place que tu passes. A plus, Torota, merci d'être passé. Ah mais si le rouge était là-bas, bon c'est pas grave. Mon objectif c'est de finir le jeu en ayant 99 vies hein. Sauf si pas si c'est pas le max. Dans ce cas-là, ça fait peur. Ah, le bâtard. Vas-y, je recommence. Je veux le faire en no hit. Faire tous les boss en no hit.
Bon. Ce boss-là est un peu... pas terrible, je trouve, parce que... Tu peux pas être précis dans ce que tu lances, faut balancer un peu au hasard. Hein, parce qu'il fait des allers-retours et tu sais pas quand il fait demi-tour. Ça va. Ouais, salut petit genou. Comment tu vas? Wouah, je l'ai pas vu venir. J'ai avancé direct, j'ai fait YOLO. Bah YOLO, t'es mort. Nous, il dit yo et puis il est reparti. Hey, salut Soigny, ça faisait longtemps. Même moi, je suis pas passé sur tes streams depuis un petit moment. Comment tu vas? Je dis ça et je meurs. Tout va bien.
Alors, ce Mario est sorti le vendredi de la semaine dernière. C'est un Mario qui, de base, était sur 3DS, je crois. Ou sur DS. Sur 2DS. Ouais, je sais plus. Enfin, bref, il était sur une console portable de base. Ils l'ont ressorti sur Switch. Remasterisé. Enfin, ils ont refait les graphismes, tout ça. Je sais pas s'ils ont ajouté du contenu. Je l'avais pas fait. C'est un des rares que j'avais pas fait sur DS. Et c'est ce que je disais au début du stream, j'aimerais bien qu'il, sur l'émulateur Game Boy, j'aimerais bien qu'il rajoute le Donkey Kong original. Oh non. Mince, j'ai raté. Bah oui, alors, soit ils en sortent, soit ils les mettent en émulation. En émulation, ils sont gratuits si on a payé l'abonnement. Ce qui est plutôt cool en vrai. Renache. Pendant que t'étais pas là, j'ai fini un monde, je suis passé au troisième. En vrai, les mondes vont vite, ils sont tout petits. Je pense que le jeu, je peux potentiellement le finir en un stream, en vrai. Si je merde pas. Et le boss du deuxième monde, il était un peu... C'est pas le meilleur, on va dire. Il est un peu chiant. Merde, j'aurais dû monter plus. Je vais aller trop vite. Les petits jouets Mario avec leur main de Playmobil là. Non.
Et merde. Ouf. Ah, lui, je l'ai pas vu venir. Ah, ils m'ont bien eu. C'est quoi, tu fais bien d'être là? Ça me facilite les choses. Je l'ai speedrunné, ce tableau. Non, ça ne descend pas assez bas, ça. C'est est-ce qu'une fois que c'est descendu, ça se met à remonter? Et en fait, j'ai pas besoin de connaître la réponse, je me casse. Je serais capable en off de relancer le niveau et d'attendre juste pour voir si ça remonte. Quand les niveaux se passent bien, ça va très très vite, hein. J'ai pas vu l'étoile sur celui-là, j'ai raté un truc. Puis j'ai pas pris toutes les vies. Là, il y en a 5. Ah, si, j'avais bien l'étoile. Est-ce que ça l'a enlevé pour... Je suis en difficulté classique, c'est-à-dire la difficulté normale, quoi. J'ai pas pris de jeu en facile. J'aurais pu, mais... On va faire demi-tour pour appuyer sur ça, déjà. Mais le con. En fait, ça se goupille bien. Yep.
Et maintenant, le haut niveau que vous attendez tous, le boss. Je vais pouvoir m'en prendre plein la tronche. Ou pas. Deuxième boss, j'ai fait deux fois pour... La première fois, je l'avais pas fini, je te recommence pour être sûr de faire un no-hit. Et merde. Sans me faire toucher en plus. Si on avait fait renverser une fois avec un tonneau, mais... Ouais, ça a fit en une heure, j'ai fait trois mondes, sachant que j'ai fait une pause pendant le premier monde pour. Puis que j'ai fait ma prise en main aussi. Ah si, je sais. Ah non, c'est ça. D'accord. Ok, ça va être sympa et compliqué comme mécanisme en même temps. Bon, on s'en sort bien. Here we go!
Ah mais là je peux rien faire. Ok. Ouais mais je suis bête. Eh ben... Les fleurs c'est sympa, mais ça complique les choses. En même temps c'est le temps. Eh ben je m'en sors plutôt bien, je trouve. Et du coup, je suis désolé, Swan, je t'ai même pas demandé, mais... Du coup...
coup, tu comptes reprendre les streams ou pas? Si tu es toujours là, bien sûr. Ça répond plus, je me sens seul. Il y a encore quelqu'un? Oh, salut Christella. Bon dimanche à toi aussi. Est-ce que ça m'aide de faire ça? Comment j'atteins la clé, moi? Oh purée, mais je suis trop bête. Sous la pluie, ouais, moi c'est gris, mais j'ai la chance de pas encore avoir de pluie. Pire timing, moi, mon. C'est bon là, faut pas abuser non plus. La chance qu'il n'ait pas attaqué. Ouais. Pour
l'instant, j'ai croisé des pigeons jaunes et des pigeons de feu. Tant te dire qu'aucun des deux n'est plaisant. Et là, c'est un pigeon de canon. Oh, là, j'étais au-dessus, non? Ah bah tout ce qui vole, pigeon. Ah je l'ai déjà dit, hein, je le répète. Et pigeon égale saloperie. Donc tout ce qui vole égale saloperie. Franchement je m'en rappelle plus mais bon, c'est comme ça. Il m'a tué en marchant sur le bout du pied avec son... Bien raté. Ouais, mais saloperie, c'est une insulte commune, comme tout le monde. Attends, comme ça, est-ce que ça passerait? Non, ça passe pas.
Oh, j'ai peut-être une idée. Réussi. Allez, un pas trop compliqué, s'il vous plaît, je veux gagner des vies. Des vies, des vies, des vies. Oh, j'ai réussi. J'y croyais plus, hein. C'est top. Merci. Merci, merci. Allez, voyons voir le prochain boss. Je m'étais dit qu'il fallait que j'arrive au moins jusqu'à finir le monde 5 pendant le stream. Je suis en train de finir le monde 4. T'as de changer tout le temps là. Et puis en plus je tombe à côté de lui. Attention, grincement réaliste de la chaise. Oh, la maison hantée. Oh, stop, come back.
Non, ça c'est pas bon. Ah mince, c'est doublement pas bon. Pour l'instant, la maison hantée est assez stylée. J'aime beaucoup le décor de ce monde. On va voir les autres niveaux, mais pour l'instant, c'est kiffant. Pas vraiment en fait, Nash. Parce que quand on a fini tous les niveaux, il y a le boss final et ensuite il y a une autre version de tous les mondes. Donc oui, le jeu est rapide, il se fait pas en 50 ans, mais. Ah mais elle tient pas sur la plateforme. Jamais où. J'en fais quoi?
puis là. Là, nulle part. Je vais monter plus haut pour voir. Comment est-ce que je dois faire pour monter ? J'ai compris. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ça va être chaud au niveau du temps. C'est finalement juste, hein. Ah, les boues. Ah, faut pas du tout que je les touche. D'accord. Mais je pensais pas le toucher, je pensais tomber sur le... Ils vont être bien relous comme je le pensais, les boues. Putain. Oh, le move que je voulais pas faire qui m'a foutu dans la merde. Merde. J'ai fait nickel. On va essayer, mais... Non, trop tard.
Oh, j'ai réussi. J'y croyais pas, hein. Niked. Pas trop de boue, s'il vous plaît, hein. Sympa, mais chaud. Sur ça, je peux récupérer le cadeau. Bon. Non, en fait, il y a besoin de récupérer rien du tout. Je vais passer sur le côté pendant tout. J'en suis à combien? 5? Ouais, c'est ça, 5. Allez, encore un. Monter par là pour avoir le bloc rouge, le cadeau. En vrai, il marche très bien aussi pendant le bouton. Ah non, je peux plus. Faut que je me dépêche, je sais.
ça c'est pas gagné. Oh le poil de cul qui manquait. Ça va, j'étais à 3 secondes, j'étais pas à une, mais quand même. Je sais pas, esquiver pour prendre le truc, j'ai récupéré le truc sans aucun respect pour le mob qui est en train de me pousser. Et voilà les 6. Niveau pour les vies. J'ai dit mon objectif, c'est les 99 vies, hein, mais ça va être compliqué. Nickel. Oh, coucou Lynn. Comment va la stalkeuse préférée du stream? Mais chut, faut pas y penser Lynn. Woohoo!
En fait, je vois pas du tout comment faire ce niveau, mais vraiment pas. Comment je fais pour les monter jusqu'en haut en fait? Attends. Non, je peux pas les porter. Mais alors je fais comment? Là, de toute façon, je suis obligé de faire ça. Ah, ça. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent sauter là? Ah d'accord. Les mini Mario, c'est ce que je dois récupérer, c'est des jouets que Donkey Kong a volé. Non, sérieux, je suis pas d'accord. Je suis en train de sauter, je suis au-dessus, il peut pas me toucher. Bon, là je suis d'accord. De toute façon, je veux le faire no hit le boss, donc tant que je l'ai pas fait no hit, ça sera du je recommence. Ah,
suis en train de sauter, il est en train d'avancer, je suis pas censé le toucher. Hein. Oh, le move à la con, putain. Le salto arrière, c'est bien, hein, mais comme il se déclenche la moitié du temps quand tu veux pas, c'est pas très utile. Voilà. Ah, je voulais faire 5 mondes au moins pendant ce premier stream, c'est fait. Je suis motivé, je suis parti pour le city. Merci pour les GG. Pourquoi de la neige? Pourquoi de la glace? J'en veux pas. J'en veux pas. C'est exactement ce que je craignais, des niveaux remplis de glace qui glissent. Pour la vie, hein. Là, c'est les niveaux où je vais pas chercher à avoir les vies, vraiment. Go!
Impeccable. Il y a eu un petit moment limite, mais c'est passé. Impeccable. Les flammes ont plus d'églissade, ça me fait peur. J'ai voulu speeder, mais je savais déjà que ça passerait pas et j'ai essayé quand même. Ah bah là, trop bien. Chaud patate. Je reviendrai. Maintenant. Ah, je pensais que ça passerait. Dommage. Je pensais être assez avancé pour que ça passe aussi. Je perds des vies pour des conneries. Juste temps. Ah oui, j'ai tout, c'est bon. Oh, yeah.
Ah oh putain, mais... Le con, j'aurais dû me laisser tomber en plus. C'était bon. Allez, j'ai fait la moitié des niveaux du monde. Here we go. Oh, le casse-brique. Devrais-je dire le casse-bonbon ?
Allez, encore un mini Mario à sauver. Face au tas de briques. Ah, je pensais que je passais. Dommage. Ça va, le dernier niveau était moins difficile que d'autres en cours de route. Hein. Enfin, pour moi, je veux dire. Allez, ramenez tous les mini Mario à leur caisse. Ah non, d'abord niveau avec des vies. Allez, j'attends mes 50 vies. Alors, c'est le boss que je vais pleurer par contre, je pense. Bien cool. Bye.
Comment je fais pour les faire passer au-dessus? Impeccable. Le boss et ensuite le stream de ce matin s'arrêtera ici. Et merde, putain. C'est ce que j'avais dit, le boss, je vais pleurer avec ça des lignes. Quel con là. Dommage. Non. Oh. Non. Ah putain. Putain, mais à chaque fois... J'y arrivais, hein, mais il a failli me taper dessus. Hein. Mais j'arrive pas à descendre.
Pas descendre. Non. Dommage. Yes. Il est très sympa comme boss, mais pour moi il est très relou. Donc non merci. Merci pour les GG. Bon, 6 mondes de fées à 100%. Je vais m'arrêter là. C'est pas mal, on va s'arrêter là. On va regarder c'est quoi après. Forêt mystère. Il va y avoir des champignons rebondissants. Des poudres qui mettent la tête à l'envers. En fait, j'en sais rien. On verra bien. Ouf. En dessous, on dirait des chauves-souris. En 5, on dirait un truc mécanique, mais avec une pique vers le haut, donc faire attention. En 3, on dirait un beau bombe. En 2, c'est les singes. Les singes, c'est sympa en général. Là, voilà, là je retombe mon 1. Ah, on va s'arrêter là. Je continuerai... mercredi matin. Et mercredi après-midi, on aura le stream avec Christella et Aero. Ça, ça sera cool. Ça sera pas mal. Voilà. Demain matin, je continuerai Zelda A Link to the Past. Cet après-midi, ça sera du Palia. Et... alors, je reprends dans l'ordre. Cet après-midi, stream Palia. Demain matin, à la suite de Zelda A Link to the Past. Demain après-midi, We Were Here. We Were Here. Attendez, je vais vous dire. Normalement, c'est We Were Here Together. C'est le troisième opus. J'ai déjà fait les deux premiers avec le premier avec je sais plus qui. Je l'ai refait avec Tira. Le deuxième, je l'ai fait avec Tira. Et là, le troisième, bah, je continuerai avec Tira de lundi après-midi. Mardi matin, je sais pas ce que je ferai. Je commencerai peut-être un nouveau jeu, quelque chose. Mardi après-midi, ça sera sûrement du Palia. Pas sûr. Je ferai peut-être un autre petit jeu avant. Un petit stream d'une heure et ensuite sur du Palia. Mercredi matin, Mario versus Donkey Kong, oui, tout à fait. Sauf si je commence Pikmin. Je sais pas. Je pense que je vais faire Mario vs Donkey Kong mercredi matin. Mercredi après-midi, Lovers avec Christella et Aero. Jeudi matin, je sais pas encore. Jeudi après-midi, on commencera Zombie Army Trilogy avec Lanou. S'il y a des gens qui ont le jeu
eh bien, le Zombie Army Trilogy, pas le 1, le 2 ou le 3, mais le Trilogy, parce que sinon ça marche pas. Voilà, ils sont les bienvenus, hein, il y a deux places. Vendredi matin, je sais pas encore. Vendredi après-midi, la suite du We Are Here Together avec Tira. Et probablement pas de stream vendredi soir. Ouais, ça va être... C'est ma dernière semaine de vacances, j'ai pas streamé la semaine dernière, j'ai eu une semaine d'arrêt. Les dernières semaines avant les vacances, j'étais pas top, top, top. Mais là, je vais full reprendre le stream déjà cette semaine, et ensuite on verra pour la semaine suivante. Alors, s'il y a le 28, ça doit être mercredi matin... Mercredi matin, je sais pas si je vais streamer au final. J'ai un rendez-vous à 9h30, donc si le rendez-vous est court, je suis rentré pour 10h, je stream Mario, sinon je le streamerai jeudi. Voilà, on va faire ça comme ça. Ou au moins que je le stream mardi. Ouais, non, ça... non, j'ai envie de le faire mercredi. Si je le fais pas mercredi, je le ferai que dimanche prochain. Il faut qu'on trouve un truc avec le sage pour samedi. Est-ce qu'il y en a qui ont Portal Knight dans leur bibliothèque Steam? Alors, ah, le problème c'est toujours pareil, hein. J'ai tous les DLC sur Portal Knight. Non, mais je sais pas, faut falloir que je vois avec le sage pour discuter, savoir ce qu'on fait samedi en fait. Parce que, alors, Portal Knight, moi je l'ai fait quand il était en accès anticipé et tout. Il se fait même en solo. Le problème, qui n'en est pas un, c'est que après la fin, il y a du contenu qui se débloque, du contenu endgame qui se débloque après avoir fini l'histoire du jeu. Et ce contenu endgame, il faut être au moins 3 pour arriver à le passer. On a essayé à 2 avec Lanou et c'était impossible, mais vraiment impossible. Voilà. Donc si on arrive à être 3, on peut toujours se faire en sorte que Lanou soit là pour le contenu endgame plus tard, mais parce qu'il a un perso maxé. Mais voilà, c'est... Faudra y faire attention. Est-ce que vous avez quelqu'un à raid?
Bon, j'ai des gens sur Elden Ring, c'est mort. J'ai des gens sur Overwatch, c'est mort. J'ai des gens sur des jeux bizarres, c'est mort. Regardez s'il y a d'autres gens. D'autres... Ah, il y a un Français sur Mario versus Donkey Kong. Froggy's Delight. Je connais pas. Ah, mais ils jouent en coop, ils sont à deux. Estrie 38. Quelqu'un que tu connais là nous ou sur quelqu'un sur qui t'es tombé comme ça en regardant des streams? Elle me dit quelque chose. Ce serait pas une grosse streameuse, là, nous. Le sage lui fait des raids parfois. Ah bah c'est peut-être pour ça que je la connais. Ouais, bah vas-y. Allez. Ouais, mais là, nous, c'est possible que je t'ai raid chez le sage et que le sage t'ai raid chez elle. Hein, puisque Nash dit que le sage la raid parfois. Alors, je vais pas rester longtemps parce que Horizon Zero, je compte le faire aussi. Plus tard. Voilà, en tout cas on est parti, merci à tous d'avoir été là, je vous fais des bisous à cet après-midi pour Palia, bon appétit, et à plus tard pour ceux que je reverrai. Salut tout le monde!